Merci une fois de plus de me rejoindre pour cette seconde vidéo. Je suis Sylvestre Ferry et j'ai décidé de vous faire plonger dans le milieu des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous parlerons d'agro-industrie. J'ai décidé de vous présenter le plus jeune entrepreneur en agro-industrie qui a décidé de produire du riz local fait pour les Abidjanais, fait pour les Ivoiriens. On le découvre. Je suis Jean-Paul Aka, CEO de Locagri SARL. Locagri SARL est une entreprise spécialisée dans l'agriculture durable, le changement climatique, l'agro-industrie et l'innovation. J'ai commencé ma carrière en travaillant pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. J'étais chargé de développer des stratégies de lutte contre la déforestation. Et la plupart des idées de stratégies qui émergeaient, c'était comment accompagner les producteurs dans l'amélioration de leurs pratiques agricoles. Et nous sommes rendus compte que, bien que ces solutions-là étaient innovantes, les producteurs avec qui on discutait ne comprenaient pas forcément ce que nous proposions. C'est comme ça que nous avons créé Locagri afin de réfléchir global et agir au local. Locagri, comme je l'ai dit, nous intervenons sur toute la chaîne de valeur des différentes commodités agricoles. Au niveau des commodités agricoles, nous sommes dans le cacao, dans l'EVA, le palmier à huile, le vivrier et le riz. Et alors, donc, au niveau du riz, nous avons mis sur le marché un tout nouveau produit qu'on appelle Locari, donc c'est-à-dire riz local, donc Locari. C'est un riz produit par des braves producteurs d'Abbeville et conditionné par nous avant d'être mis sur le marché. Nous pensons que le marché local du riz, il est moyennement satisfait. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire importe encore près de 80% de qui est de meilleur goût parce qu'il est frais. Effectivement, il a moins de 6 mois. Ensuite, il est parfumé naturellement. C'est un riz produit par les braves agriculteurs d'Agboville et de plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce riz-là, naturellement, il est de meilleure qualité. Nous sommes dans un pays en voie de développement et nous sommes conscients que une grande partie de la population a des revenus modestes. C'est pourquoi nous avons proposé deux catégories de riz. Nous avons un riz qu'on appelle le riz ordinaire. C'est un riz aussi de meilleure qualité, mais moins parfumé. Ce riz-là, nous le faisons à 2000 francs. La concurrence est à côté, est à 2500, souvent 3000 francs le sac de 5 kilos. Et nous avons un autre riz qui est le riz de luxe que nous commercialisons à 3000 francs le sac de 5 kilos, pendant que la concurrence est à 3500 le sac de 5 kilos. Donc, à travers notre politique de prix, nous essayons effectivement d'intégrer la préoccupation liée à la cherté de la vie en essayant d'apporter des réponses sur des produits de qualité, mais à prix réduit. Naturellement, toute entreprise pour grandir a besoin de capitaux. Et donc, effectivement, nous nous tournons de plus en plus maintenant vers des investisseurs. Simplement, nous n'avons pas encore de véritables investisseurs et nous allons avec nos moyens. Et nous pensons que on a besoin de financement, mais avec notre détermination et notre courage, nous allons y arriver. Au niveau de Locagri, nous intervenons sur toute la chaîne de valeur. Nous accompagnons nos clients dans la conception de leur projet. Donc, les clients qui sont intéressés, nous pouvons monter des projets pour eux, faire des études de marché, identifier des solutions pour adresser certains problèmes, mais aussi nous sommes intéressés par la transformation des produits locaux, notamment le riz que nous faisons. Pour le moment, les personnes peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons de la page Facebook de l'entreprise qui est Locagri SARL. Ensuite, ils peuvent nous contacter au 09 80 78 88 ou tout simplement aller sur notre site internet qui est locagrisarl.ci. Bonjour, musical, c'est Rezoglou. J'aime plus les SUV parce que cela allie, on va dire, beauté et voiture de terrain. Et donc, j'aime surtout les belles voitures, les belles coupes. J'ai pas de préférence sur les marques. Alors, comme le disait notre ami Jean-Paul Aka, il est important de se lever
de regarder autour de soi et de se dire qu'il y a matière à entreprendre. Les besoins sont là, les moyens aussi. Alors à vous de vous décider à lancer votre business. Et dorénavant, ce serait intéressant que chacun de nous commence à apprendre à manger du riz local, du riz fait par notre jeune frère, du riz fait pour la Côte d'Ivoire, du riz fait en Côte d'Ivoire. Je donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour vous présenter encore d'autres entrepreneurs. Alors rendez-vous sur notre site, sur notre page Facebook, sur notre page YouTube pour vivre encore ces moments que vous venez de vivre.